Salut, aujourd'hui il fait froid et on continue toujours sur notre grosse maison avec donc le tableau, t'as vu, normalement c'est fini, j'ai dû monter tout ça à l'heure où tu regardes, sauf qu'à l'heure où je tourne, j'ai encore rien monté de la vidéo du tableau d'avant, donc si tu l'as vu, j'espère que t'as liké. Là, dans cette partie-là, on va attaquer le VDI, donc tout ce qui va être RJ45, etc. Et là, on a un VDI vraiment très spécial qui va permettre de créer des répéteurs Wi-Fi, enfin des bornes d'accès Wi-Fi, dans vraiment toute la maison. Ça, c'est un système Schneider que j'adore. Normalement, en description, je devrais pouvoir te trouver les liens, les références, les trucs, si tu as besoin d'installer ça chez toi. Ça coûte pas beaucoup plus cher qu'un VDI classique, et c'est ça qui est top. Et ce qui coûte plus cher, c'est les prises qu'on va mettre au bout. On va commencer à préparer tout ça. Il est très très bas sur ma goulotte GTL 18 modules. Là, c'est un 18 modules, ils existent en 13, hein. C'est exactement les mêmes. C'est juste que j'ai préféré le mettre sur ma 18 modules, parce que ça m'arrangeait. Et au niveau de la taille par rapport au sol, il n'y a pas de souci. Un VDI, vous pouvez aller le mettre jusqu'à 5 cm à ras du sol, et ça pose pas de problème au niveau des normes. De toute façon, là-dedans, ça va être la box, etc. Donc, qu'elle soit là, qu'elle soit en haut, c'est pas des trucs que vous allez appuyer tous les jours sur votre box. Encore moins quand le Wi-Fi va être déporté à l'intérieur de la maison. Parce que ici, tu vois, il y a les arrivées fibres qui vont dans la rue, ils vont venir coller leur boîtier où ils veulent. Là, de toute façon, la box sera juste à côté, donc ça tombe très bien. Et ça, eux, ça va les arranger, ils vont mettre leur boîtier là, la box là. Et nous, grâce à quelques-uns de ces câbles-là, on va câbler et installer des prises spéciales Wi-Fi, borne Wi-Fi, tout ce que tu veux, Schneider toujours, mais qui vont créer un maillage de Wi-Fi à l'intérieur de la maison en 3 ou 4 points, je crois. Donc en gros, ça va trianguler à l'intérieur de la maison, réseau Wi-Fi, plein gaz partout, et on changera pas de poste Wi-Fi à chaque fois qu'on se balade dans la maison. C'est-à-dire que ce sera toujours le même réseau Wi-Fi qui va être plein gaz à l'intérieur. Bon, et bah, générique. Salut les disjonctés, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager. C'est ce qui aide le plus la chaîne à se faire connaître. Et moi, je vous remercie énormément. C'est trop cool pour tout quoi. Bon, et bah, je vous montre le produit. On commence à l'installer. Et puis c'est parti. Bah voilà, voilà le beau VDI. Donc tu vois, 18 modules. T'as les prises à l'intérieur. Donc pour tous ceux aussi qui vont m'avoir dit en commentaire sur le tableau que j'ai pas mis mes prises modulaires, hein, les consuels, ils s'en foutent des prises modulaires. Il y a beaucoup de prises dans ce garage. Donc pas besoin non plus. Si c'est les seules prises que vous avez dans le garage, parce que le tableau est dans le garage, mettez vos prises modulaires si vous voulez. Et la plupart du temps, les prises modulaires servent pour les VDI. Et vu que maintenant, la plupart du temps, elles sont intégrées dedans, pas mettre des prises modulaires et perdre de la place encore dans mon tableau. Donc mes prises modulaires seront sur la petite rangée qui est ici. Là, on a le DTI test qu'on va virer, hein, parce qu'on est en fibre, donc ça sert à rien, c'est encore livré avec, mais pff, on s'en fout. Ça, c'est les petits, vous voyez, la petite grille derrière sert à mettre tout un tas d'accessoires dans le genre, du genre les petits, si j'arrive à les enlever, les petits passe-câbles qui sont comme ça, ça permet juste voilà, de clipser si vous avez vos câbles, vos cordons RJ45 mal, vous voulez tous les mettre au même endroit, franchement c'est pas mal. Et ce petit truc là, ça sert à caler la box, tu vois, c'est extensible, tu peux le clipser dans ta grille et puis ça te permet de régler la profondeur du truc et puis de venir serrer ta box au fond pour pas qu'elle se casse la gueule. Faut savoir qu'en 13 modules, même en version 3 rangées, je crois qu'ils font les 1, 2 et 3 rangées, je me rappelle plus s'il y a 3, mais je crois que oui, je suis plus très sûr. C'est toujours compliqué de loger la box, ça loge vraiment serré, c'est la première fois que je l'installe en 18 modules, donc normalement quand tu auras la box, ça devrait être cool et spacieux, du moins j'espère. Le rail du fond c'est pareil, tu peux le virer, moi je pense que je vais le virer aussi parce qu'il m'arrange pas forcément, donc voilà, ils le mettent pour le DTI, pour si t'as d'autres trucs à mettre dessus, enfin bref, tu veux déporter ton disjoncteur à la limite là-dedans, je sais pas si au niveau des normes t'as vraiment le droit. En tout cas, moi j'aurais pas le droit parce qu'il est trop bas, donc le disjoncteur sera dans les tableaux pour les prises ici. Je mets un disjoncteur indépendant que pour la box, que pour ça quoi. Comme ça, ça évite que là, si y a un appareil à raclette qui fait sauter, que ça fasse aussi sauter la box, enfin voilà. Bref, encore que ce sera sous un différentiel commun, donc si tu veux vraiment être tranquille, tu mets un disjoncteur différentiel pour ton informatique et ta box, comme ça, c'est vraiment à part. Moi j'ai pas fait ça ici, avec 6, 7 différentiels, je pense que ça va niveau sélectivité, on est pas mauvais. Ça, la barrette de prise là, qui est ici, tu peux rajouter, je crois que c'est l'équivalent mosaïque de chez Legrand, là, chez Schneider, je me rappelle plus comment ça s'appelle ça. C'est les petits blocs que tu peux mettre dans les goulottes et tout, donc tu peux en rajouter une ou deux, je crois, hein, selon la place qu'il y a, t'as des demi-modules aussi, si tu veux. Enfin voilà, tu peux équiper un peu plus cette petite barrette, qui est déjà équipée de deux prises de série, et tu peux inverser, tu peux mettre ça là-haut, et la partie où on va clipser les noyaux type B de brassage, pareil, ça tu peux l'inverser, le mettre en bas si tu veux, ça c'est en fonction de toi, comment tu préfères, si ça t'arrange, si ça t'arrange pas, etc. Avec tout ça, donc ça c'est la boîte hein, que j'ai reçue, t'as des cordons RJ45 mal pour aller faire ton brassage entre la box et les prises, encore un là, encore un là, encore un là, encore un là, t'en as un vert, alors...
Moi, la première fois que j'ai commandé ça, j'ai vu les blancs, les verts. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a de plus le vert? Ah, rien du tout, il est juste d'une autre couleur, c'est tout. Voilà. Moi, des fois, quand je vois des trucs comme ça, je me dis, les fabricants, il y a bien une raison. Mais voilà, c'est peut-être pour distinguer la lime du switch qu'on va voir après, le switch POE. Normalement, t'as un petit carton qui est rempli de noyaux, mais moi, ils sont partis au fond du carton, tout le tralala. Donc ça, c'est des noyaux spéciaux, hein, S1, je sais pas quoi, simplement parce qu'ils se clipsent sur cette barrette-là. Tu peux pas clipser n'importe quel noyau RJ, donc ils ont encore été nous pondre une ref spécifique pour le truc. Ça, c'est chiant chez les fournisseurs, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça aussi qu'ils gardent leurs clients et qu'on se barre pas ailleurs avec une autre marque parce que c'est moins cher et patati et patata. Ça, business is business. Money. Encore un petit cordon que j'avais oublié. Donc là, j'en ai 6, 7 ou 8, mais ça coûte pas cher. Hein. Ça coûte 1 euro ou 2, les petits cordons mal. Vous pouvez en trouver partout. On a le même système de fixation que pour les tableaux Schneider qu'on a vu dans cette goulotte Schneider. Donc ça va être assez rapide, et c'est tant mieux. Tu as ça pour faire un raccordement sûrement téléphonique, tu vois, tu branches ça dans ton DTI, tu viens dénuder ça et le brancher sur tes prises téléphoniques, enfin bref, ça... c'est fini, mais bon, ils les mettent encore. Ça, c'est les petits élastiques que tu peux venir coincer dans la grille aussi pour maintenir les choses, tu vois, c'est plutôt sympa, tu vois, tu passes ce truc-là derrière ta grille en droit, et tu viens redresser ça, comme ça te fait un petit tendeur. Plutôt pas mal, je les ai jamais utilisés, mais c'est bien. Et après, t'as 2-3 conneries, parce que tu peux aussi alimenter tes prises en grade 3. Alors ça, moi, je l'ai jamais trop fait, c'est-à-dire d'alimenter avec une antenne la partie, la TV-SAT ici, et puis, enfin, voilà. Bon, ça, je suis pas très calé en antenne. C'est pas moi qui vous donnerai les meilleurs conseils niveau coaxial, tout ça. Maintenant, dès qu'il y a une antenne à faire, je m'occupe plus de rien. Enfin, juste les câbles pour les emmener aux prises. J'emmène le câble sur le toit et je file le boulot à un antenniste parce que je suis mauvais là-dedans et je vais pas vite. Et pour le client, c'est pas terrible que ce soit moi qui le fasse, tout ce qui est réglage d'antenne, etc. Donc ça, c'est pas sur cette chaîne que vous aurez le plus de conseils sur les antennes. Et ce truc-là, je sais pas ce que c'est. J'avais posé 3-4 dés comme ça, mais j'ai jamais trop su. Ça doit servir à quelque chose, mais... En tout cas, apparemment, c'est pas essentiel. Et vous avez un petit bornier pour la terre, parce qu'il va falloir ramener aussi la terre là-dedans. Tu vois le double petit machin ici, tu peux venir dévisser la vis qui est complètement à gauche sur ce mini bornier là, l'enlever complètement, et en fait c'est ça qui fait tenir l'ensemble. Tu viens la revisser dans le petit trou que tu as juste à gauche, et après bah, les deux autres elles passent là. Ça te permet de raccorder une terre et en même temps de mettre tout le rail à la terre pour les perturbations de signal. Oh, je pense qu'on en a assez parlé maintenant. Ah non, il reste un truc. Ça, ça paraît bien gros le carton. Ah oui, non, je sais pourquoi. Ça, c'est le switch POE, justement, pour les fameuses prises qu'on va installer au bout. Ça permet donc d'être alimenté, et avec le POE, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne suis pas très théoricien là-dedans, mais pour schématiser, ça permet d'alimenter électriquement et au niveau de la data, informatiquement, etc., une prise RJ45, c'est-à-dire que des fois vous avez des caméras, il n'y a pas besoin de les brancher avec une prise pour qu'elles s'alimentent, juste un POE suffit, c'est toute petite tension, je ne les connais pas, mais dans le principe c'est ça, tu alimentes électriquement et avec de la data sur un seul cordon RJ45. On ne va pas faire fonctionner encore une fois un appareil à raclette avec un POE, ça marche pas, mais les petits trucs informatiques, etc., il y a pas mal de choses qui fonctionnent en POE, et maintenant a priori c'est du POE intelligent, tu crames plus tes ordinateurs, parce qu'il y a certains équipements que tu peux cramer avec du POE, des ports qui sont pas faits pour accepter du POE, mais ça je vous laisse débattre en commentaire de ça. Je suis pas un expert dans l'informatique, le POE, etc., je comprends le fonctionnement, mais je vais avoir du mal à bien vous l'expliquer en détail et en théorie. Et comme ça, moi, dans les commentaires, grâce à vous, j'apprends des trucs aussi. Ça, c'est cool. Switch POE, tu as une entrée ici que tu alimentes en in, avec ça, c'est ce qui vient de la box, et tout le reste, tu peux distribuer à toutes tes prises. Le POE, moi, il va me servir que pour les fameuses prises qui répètent le Wi-Fi. Une notice qui sert à rien, et un joli bloc d'alimentation pour justement le switch POE. Et voici les 8 noyaux. Il y en a que 7, parce que je sais pas où est le 8e. Bon, bah fixation. Déjà, on va ouvrir le capot, hein, qui sert pas à grand-chose, ce capot. Parce qu'avec ou sans capot, c'est quasiment la même chose, hein, ce truc-là. Donc voilà notre truc à nu. Vous pouvez enlever les grilles si vous souhaitez aussi. Il y a des petites vis. C'est un peu... voilà, vous faites ce que vous voulez avec tout ça. Le rail, tu vois, je l'enlève juste avec les doigts. Ça, je m'en fous. J'en ai pas besoin. Je le garderai quand même au cas où, on sait jamais. Mais je crois que des trucs comme ça dans mon dépôt, j'en ai 3 ou 4. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais raccourcir tous mes câbles. Ils sont vachement longs. Parce que je sais pas, moi, au moment où je câble, si je vais le mettre en bas, si je vais le mettre en haut. Donc je laisse de quoi aller jusqu'en haut. Là, il se trouve que bah, je vais avoir beaucoup trop long sur tous les câbles. Mais vaut mieux perdre un peu de câble que de perdre
énormément de temps à devoir tout rallonger, surtout sur du RJ qu'on rallonge pas comme on rallongerait un fil classique 2.5. Il y a beaucoup de pertes de signal si vous faites des petites connexions juste avec des wagos, des dominos ou des fils torsadés. Parce que là on parle d'internet là. Et si tu mets pas internet chez les gens, t'as plus de problèmes que si tu mets pas de lumière, je te jure. Donc c'est parti, je vais remettre tous mes repères à chaque fois que j'aurai un repère, mais des fois les câbles RJ, si j'ai plus de repères, je panique pas, c'est pas très grave, on les repérera après. Allez, chambre parentale, CHP, où je vais réduire ici tous au même niveau. CHP. Et on les fait tous comme ça. Bon, maintenant que tout est recoupé, tout est repéré, il me manque un seul repère, donc ce sera par déduction la seule chambre qui me manque, parce que j'ai vu 2, 4, enfin voilà, je regarderai au moment de brancher tout ça, mais avec les RJ, pas de panique, vous branchez vos noyaux et au pire vous prenez un petit appareil pour tester, vous allez, y en a pas 150 dans une maison, enfin, là il y en a pas mal quand même, je crois que j'aurai plus de câbles que de noyaux, mais ça c'est pas grave. Là l'important pour aujourd'hui, pour moi, ça sera surtout de repérer toutes les prises qui vont faire Wi-Fi. Donc, fixation de tableau, on va voir pourquoi c'était important quand même de recouper les câbles avant de le fixer, parce que sinon ça va être galère. Simplement parce que c'est beaucoup plus simple de passer des fils plus courts dans le tableau qu'on va poser. Et on met nos petits trucs verts, comme d'hab. Donc ça, quand t'as des câbles qui poussent un petit peu et tout ça, c'est quand même vachement agréable ces trucs-là. Voilà, c'est fixé. J'en vois certains me dire l'histoire de la barrette de coupure. Je pense qu'il y en a qui l'ont vu. Mais moi, j'ai rien à cacher, je m'en fiche. Tu vois, elle est juste là, donc elle est visitable, mais pas très facilement. Ça, bah, c'est juste une petite boulette de ma part. Je l'avais déjà vu avant de le poser, hein, mais je m'étais dit, bon, on verra. C'est pas la fin du monde si je dois galérer un peu, parce qu'une barrette de coupure, dites-moi en commentaire si vous y accédez souvent pour de l'entretien ou autre chose. Mais je pense pas. Surtout que le consuel est validé ici, donc une barrette de coupure, c'est comme un domino. Faut juste ouais, que ce soit visitable. Et avec des pinces plates, on peut très bien desserrer la terre du haut, la terre du bas, la terre du haut. Je vais me faire un peu chier si je dois la dévisser. Mais voilà, c'est pas grave. Le tout, c'est qu'elle soit visitable. Chut, l'apprenti arrive. C'est bon? Du coup, t'as branché ton 16, ton 10, et t'as un 10 qui est vide. Je t'ai dit. Ah non, mais t'es juste comme ça? T'as combien de disjoncteurs posés, là? Ok, maintenant, tout ça c'est prêt, ça, j'ai un disjoncteur qui est réservé là-haut, j'ai pas encore descendu les fils, donc je m'en occupe après, avant, peu importe, on s'en fout. Et là, j'ai tout ça, tu vois, j'ai quand même pas mal de câbles, vous avez sûrement dû voir au moment où j'ai posé que j'ai fait une boucle. En fait, le RJ, c'est bien de laisser un peu de place, parce que quand vous mettez les noyaux, c'est de pas être là comme ça, comme un trimar, c'est de pouvoir prendre le noyau, l'installer plus confortablement, vous allez voir quand je vais les brancher, et puis après, bah, vous repoussez la boucle de câble sans plier, bourrer. C'est juste, quand je dis repousser, c'est voilà, ça se passe bien comme ça, sans forcer. On va essayer de faire encore mieux que ça. Et puis voilà, comme ça, si un jour il y a un entretien, un noyau a changé, pour X raison, c'est de pouvoir le tirer, de ne pas avoir la tronche complètement dedans. Et ce sera beaucoup plus simple. Encore une fois, tant que c'est pas peint, hop, un petit repérage ici. Tac, tac. Allez, 1, 12, il y en a. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tac, tac. Voilà, comme ça, je suis prêt à repérer ça. Je prendrai ça en photo. Après, ce sera poncé, peint, terminé. Donc voilà, nos petits noyaux. Tu vois comment c'est à l'intérieur. Hein, c'est un petit schéma. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu, je vous mettrai l'affiche en description pour comment brancher une prise RJ45, ce qui est la même chose que ça. Exactement une prise murale ou ça, c'est exactement pareil. Donc ça, tu vois, schéma A, schéma B, schéma A, schéma B. Nous, toujours schéma B. Européen. Et puis ça, bah, c'est là où on viendra brancher nos petits cordons, du genre les petits cordons RJ45. Donc tu vois, le noyau, lui, sera clipsé dans le rail ici. Je ne vais pas le faire maintenant, sinon je vais galérer. Et après, bah, tu viens brancher ton petit cordon là, hop, comme ça. Donc ça, ça renverra avec le câble qui part dans l'installation. Tu vois, le câble, il sera branché dedans. Ça renvoie dans les murs, etc. Ça arrive à la prise qui est à l'autre bout. Dans la prise murale qui est à l'autre bout, tu as un cache blanc, mais en gros, tu vois ça dépasser de ton mur, quoi, affleurant. Après, ça, c'est ta plaque audace, etc. Et de l'autre côté, tu viens brancher bah, un ordinateur, ce que tu veux, et ça permet de renvoyer le signal de la box. Parce que de ce côté-là, comme je disais, avec ce cordon qui est là, ça, après, l'autre côté mâle du cordon, tu viens le brancher directement dans le cul de ta box. Et puis, ça te donne bah, Internet en filaire. De là, ça part dans le mur.
Au bout du mur, c'est une prise murale qui est exactement la même chose que ça à l'intérieur. Et tu ressors encore un petit cordon mal que tu viens brancher sur ton ordi, ta PlayStation, ta Switch, tout ce que tu veux. Je crois qu'il n'y a pas de cordon Ethernet sur la Switch. Faut bien commencer quelque part. Hein. Voilà, donc j'ai repoussé au plus que je pouvais mes câbles RJ. Et puis bah c'est parti, on va en prendre un, on va le couper, on va le dénuder. Donc tu vois là, je l'ai beaucoup repoussé. Là, je redonne sa taille, sa dernière taille, sa dernière coupe, on va dire. C'est le câble CHP. Donc c'est parti. Je coupe ici. Ça, c'est vraiment le dernier endroit dont j'ai besoin pour rentrer le noyau et le clipser après. Je coupe. Et vous allez voir, là, j'ai encore tout ça de dispo. J'aurais aimé avoir un peu plus, mais en soi, ça va. Je viens dénuder ça. Donc avec le Knipex, ça marche parfaitement bien. C'est vraiment cet outil, j'ai l'impression qu'il a été... qu'il est magique et qu'il s'adapte à tous les câbles. Parce que vous voyez, vous coupez, ça enlève même le petit plastique. Et normalement, ça fendille à peine l'alu. Et là, le dernier plastique, vous devez le couper vous-même. Donc ça abîme pas du tout les fils qui sont à l'intérieur. Enfin, ce truc-là, c'est tellement magique, ça sert à tout. Et donc je disais, ouais, ce truc-là, franchement, je vous bassine la plupart du temps, jamais. Enfin, je vous dis que je vous mets les liens en description, des liens qui sont rémunérés par Amazon. Mais ça, si vous voulez un bon outil, alors certes, ça coûte un peu cher, hein, c'est 35 balles, mais vous voyez, de la première vidéo que je vous mettrai en fiche là ou là, que j'avais fait avec le ciseau Facom, coupe tout, etc. Ce truc-là, c'est de là. Ils ont le même âge que la vidéo à une semaine près, parce que j'avais dû les acheter une semaine ou deux avant de tourner la vidéo. Lui, il fonctionne toujours. J'en ai acheté un deuxième pour mon apprenti qui, bah, du coup, fonctionne mieux, forcément, puisqu'il est plus neuf. On ne peut pas changer les lames, mais ça fonctionne toujours. Et oh mon Dieu, que je pourrais plus me passer de ce truc-là. Hein. Franchement, c'est vraiment incroyable. Il y a un droitier, gaucher. Moi, je suis un peu les deux. Je suis un coup droitier, un coup gaucher, ça dépend. Mais bref, je ne sais pas si ça perturbe beaucoup le fait d'être gaucher. Enfin, si, je ne sais pas. Ouais, si je devais l'utiliser de la main gauche, oui, c'est chiant parce que le truc pour fendre les câbles se retrouve là, là. Faites attention si vous êtes gaucher, il y a deux versions. Et puis ça, c'est pareil, alors, ça, c'est increvable, ça coupe encore tout. C'est vraiment ces deux trucs-là, là, mais surtout ça, quoi. Parce que ça, une pince coupante, ça fait le job aussi. Si vous devez acheter un truc qui vous allez pas être déçu, ça et ça... Vous pouvez y aller, je la remettrai en description. Et puis ça soutient la chaîne au passage, donc c'est cool. Quand vous les prenez par les liens. Mais vraiment, je suis amoureux de ce truc. Allez, trêve de bavardage, tu vois. Donc là, j'ai ouvert mon câble. Donc là, j'ai plus qu'à venir couper à ras ici la petite tresse de guidage. Mais vraiment le plus à ras possible pour pas qu'elle m'embête. Et là, je viens prendre mon noyau RJ45. Tu vois, il y a toujours un côté avec, peu importe le schéma A ou B, genre orange et vert. Et l'autre côté qui est bleu marron. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est tout de suite de viser le bon côté. C'est-à-dire que je vais rentrer le noyau du mieux que je peux pour que bleu marron se retrouve du bon côté. Et orange-vert aussi, comme ça, ça évitera que les fils se chevauchent à l'intérieur du noyau. Ça, c'est important, parce que les premiers noyaux qu'on branche, on se demande comment on va arriver à les fermer, et puis à force, on comprend le principe et comment ne plus s'embêter. Et là, voilà l'affaire. Donc, tu vois, ça va pas être très très compliqué en soi, c'est vraiment, là, faut être bête et méchant, tu vois, genre, faut pas chercher à réfléchir, c'est, tu prends... ton blanc du bleu, tu vois, tu as une paire, tu as toujours un blanc de la couleur en question. Donc selon les câbles, tu vois, on voit qu'il y a un peu de bleu dessus et qu'il est blanc, donc c'est le blanc du bleu. Le bleu plein, la paire marron, pareil, blanc du marron, marron plein, etc. Et tu vois sur le schéma qui nous B, ça, c'est la partie ici, on a blanc du bleu là et le bleu plein juste à côté. Après, on a marron plein, blanc du marron. Donc tu te mets exactement comme ça, comme c'est sur les encoches. Je devrais faire plus petit pour filmer sur YouTube, c'est tellement pratique. Je galère parce que j'essaye de regarder en même temps le focus que j'ai sur la caméra, sur ce que je suis en train de faire, et il faut que je regarde un peu tout à la fois. Ceux qui font des chaînes YouTube sur l'électricité savent comment je suis en train de m'embêter là pour filmer ça le mieux possible. Là, on a branché tout le noyau, à part ma petite terre qui est un peu limite. Alors la terre, c'est la petite partie métallique qui est juste là. En fait, faut juste la rentrer dans une toute petite encoche qui est juste à côté du verre, là. Comme si c'était pas assez chiant comme ça.
Ouais, ça va être tout juste, mais c'est pas grave, ça va le faire quand même. En fait, cette partie-là va venir toucher la carcasse, et la carcasse va se retrouver à la terre. Tu vois, là, il y a des tout petits ciseaux, comme ça je réexplique une bonne fois pour les noyaux. Les tout petits ciseaux qui sont juste ici vont venir entailler, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu dénuder hein, les ces fils-là. À part lui que j'ai un peu massacré sans faire exprès, parce que je ne voyais pas ce que je faisais avec la caméra, mais bon, j'ai pas rompu le cuivre, j'ai juste rompu l'isolant, tant qu'il touche rien d'autre, c'est OK. Et là, quand je vais venir refermer, en fait, les noyaux vont sectionner l'isolant et venir faire contact après avec toutes les broches qu'il y a à l'intérieur de notre noyau là. Par contre, pour ça, il faut vraiment couper à ras tous ces fils là. Et donc pour ça, j'ai ma petite pince que j'ai pas du tout acheté exprès, que j'avais eu dans une caisse où il y avait plein d'outils et tout, une mini tenaille. Tout le monde se fout de ma gueule sur les chantiers avec cette pince là, mais franchement, pour le RJ, elle est top parce que vous pouvez venir vraiment à buter contre le plastique en mode tenaille comme ça là, et puis vous pouvez couper parfaitement à ras les fils. Tu vois, même si ça pouvait être encore plus à ras que ça, ce serait presque mieux. Souvent, ce que tu peux faire, une fois que c'est comme ça, tu peux les repousser un petit peu avec ton ongle. Là, je chipote. Vous allez vous dire que je chipote. Mais je me suis rendu compte d'une chose. Des fois, quand je testais les prises, j'avais tout bien fait de chaque côté et pourtant, j'avais des problèmes. Parce qu'en fait, si tu coupes à ras, comme je viens de faire, et que tu repousses pas, ce qui est possible, qui se passe, c'est que le petit morceau qui dépasse là vienne s'écraser contre le morceau de carcasse qui est juste là. Et là, ça va te créer un défaut entre la terre et ton blanc du marron, par exemple. Et des fois, ils viennent s'écraser, tu le vois pas. Ils viennent vraiment, mais toucher à peine. Et vu que c'est du réseau, c'est de la data, c'est Internet, c'est ultra sensible et ça fonctionnera pas. Donc vraiment, sur le RJ, prenez votre temps. Par pitié, prenez votre temps, chose que j'ai mis plus de 10 ans à comprendre. À chaque fois, t'es là, ouais, vas-y, c'est bon, j'ai bien mis ma paire, j'ai fait gaffe, patati patata. Et pourtant, j'ai souvent des petits problèmes, juste mais de 3 fois rien, mais ça suffit à planter la data qui circule dans le noyau. Et une fois que c'est comme ça, t'as plus qu'à prendre tes deux doigts, avec l'autre main, tu viens appuyer sur tes deux doigts, et puis voilà, pas besoin de pince. Tu vois, quand c'est bien coupé à ras, ça force pas du tout. Si tu commences à sentir qu'il faut que tu forces pour entendre le petit clip qu'il y a eu, c'est qu'il y a de grandes chances que ce soit mal mis, quoi. Bon, ensuite, je me rappelle jamais dans quel sens ils vont. Je crois que c'est comme ça. Voilà, c'est dans ce sens-là. La petite encoche, là, vers le bas. Ça, c'est le petit truc en plastique de taquet, plastique, là, que tu appuies pour enlever tes cordons RJ45. Et j'ai oublié, qu'est-ce que c'était? C'était CHP, je crois. CHP. Bon, et si on accélérait un petit peu? Parce que tu vois, dans le principe, c'est bête et méchant, quoi. Le câble qui part là-bas, patati, patata. Tu branches tes paires exactement comme c'est sur le schéma, c'est juste que c'est long et fastidieux. J'adore ce mot. Et puis voilà quoi, c'est faut de la patience, faut pas se précipiter là-dessus, faut vraiment, de toute façon l'électricité c'est vraiment un long jeu de patience quand même. Et puis il n'y a plus qu'à, donc je vais brancher le maximum de noyaux que je peux parce qu'il va m'en manquer, c'est sûr. Et puis après on va aller voir quand même au niveau des prises. Et hop, un beau petit siège de chantier tout confort. Et c'est parti. Et me revoilà 3, 4, 5, 6 mois plus tard, je sais même plus. Et oui, les chantiers, ça avance pas toujours comme on voudrait. De toute façon, c'était même pas peint quand on était en train de poser les premiers noyaux. Et de toute façon, il m'en manquait. Donc voilà, j'avais fait ma petite liste. Tu vois, me revoilà devant notre baie de brassage VDI, coffret de com. On appelle ça un peu comme on veut. Là, je vais simplement continuer exactement la même étape qu'on était en train de réaliser. C'est-à-dire brancher les noyaux encore bêtement. C'est-à-dire que les tout premiers sont prêts pour les fameuses prises qui vont récupérer la data pour la transformer en wifi. Et là je rebranche les noyaux, donc c'est toujours pareil, des S1 comme je disais au début de la vidéo, sont des noyaux avec une référence spéciale pour qu'ils se clipsent dans la barrette en ferraille, tu vois. Donc là on arrive sur le tout dernier, on peut enfin le
positionné. Je veux dire, faut de la patience hein, pour en faire, je sais plus combien il y en a là-dedans, 13, 12, 13, un truc comme ça, mais bref, je vous laisse compter. Vous pouvez observer aussi que ça y est, le boîtier fibre est posé sur le ride-in. Alors tu vois, on va y revenir parce qu'il est sur le ride-in. Moi, j'avais juste remis ce rail là en attendant pour pas le perdre, même s'il me servait pas à grand chose. Sauf que maintenant qu'il est posé et raccordé avec la fibre, et bah on va devoir le laisser dedans. Donc ça, on verra après comment on loge tout à l'intérieur. Je commence par débrancher le petit cordon de fibre qui m'embête pour continuer et finaliser mon installation. Voilà, parce qu'il va falloir que je débranche la box, que je la mette dedans, etc. On va voir tout ça. Tout devrait arriver à loger, mais ça va pas être facile. Donc ça, quand on le débranche, on fait attention. Tu vois, je le prends tout délicatement, je le pose là. Vous m'avez déjà dit aussi en commentaire qu'il faut faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de poussière au bout de la tête du petit branchement de fibre. Donc maintenant, j'y fais encore plus attention qu'avant. Le DTI, bah là pour le coup, on va vraiment le virer parce que lui, il sert à rien. Le rail, je vais devoir le laisser. Et là, je commence à modifier un tout petit peu le sens de mes prises parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est modulaire. Tu peux en faire un peu ce que tu veux, en rajouter, en enlever, et tu peux aussi les tourner de sens. Là, en fait, c'est juste simplement ce que je cherche à faire. En fait, c'est à le changer de sens pour pouvoir brancher mes prises dedans et pas être embêté. Et tu vois, j'aurais dû mettre sur ma liste une prise supplémentaire, mais j'en avais pas. Alors j'ai ce petit bloc là qui va me permettre de rajouter plus de prises parce qu'en tout je vais avoir normalement 3 prises dans le coffret. Tu vois, il va y avoir la box, le branchement du switch en POE et le branchement de la TIDOM parce qu'il y a aussi une TIDOM en delta d'or là pour gérer les volets dans cette maison, donc elle va aussi loger dans tout ça. Je présente un peu le coffret pour voir ce que ça donne, si ça ferme avec ma petite multiprise. Et là je bidouille un peu parce que je sais pas ce qu'ils m'ont fait les gars de la fibre, mais t'as vu, moi quand j'avais posé le tableau, il était tout nickel contre l'autre, et là il y avait un bonjour de 3 gros centimètres. Enfin, vous voyez les fils entre les deux tableaux, pas terrible. Donc je sais pas ce qu'ils m'ont fait, ils m'ont aussi tordu un peu le rail. Il m'a tordu le rail en plus. Je sais pas ce qu'il a. Enfin bref quoi, je sais pas comment ils ont réussi à tordre le rail hein, franchement. Ça j'ai aucune idée parce que faut un rail comme ça, franchement c'est hyper costaud. Mais bon, vaut mieux pas savoir ce qu'ils font des fois les installateurs de fibres, ça vaut mieux comme ça. Tu vois, je déplace un tout petit peu le rail, mais faut que je fasse super gaffe parce qu'il y a le raccordement donc qui arrive de la rue sur le boîtier. Donc faut vraiment pas que je le casse, et au final j'ai bidouillé, j'ai réussi à le mettre là-haut. Donc tu vois, comme ça j'arrive à caler ma box, j'arrive à caler le transformateur de mon switch POE avec les petites languettes là qui sont fournies avec. Et va falloir que j'intègre le switch POE, donc je suis quand même un peu embêté avec tout ça parce que c'est un 18 modules, c'est la plus grande taille hein, des VDI. Et tu vois, quand tu veux loger une box, en plus c'est pas la box la plus grande non plus, tu veux loger une box, un switch POE avec le transformateur, le petit rail, les cordons de brassage, etc. Tu vois, ça prend vite de la place. Alors il y a peut-être d'autres manières de réaliser le Tetris là, mais clairement moi j'arrive pas à trouver mieux que ça. C'est surtout le switch, tu vois, il est quand même balèze parce que c'est un 9 ports. Hein, t'as une entrée pour 8 sorties. Donc en attendant, je le mets là, tu vois, on peut quand même accéder au brassage. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais c'est ce qu'il y a de plus esthétique en attendant. Tu vois, tout loge dans le même endroit. Et on verra à la toute fin ce que ça donne. Hein, mais bon, ça évite de rajouter une étagère. Mais quand même, le plus simple, hein, pour pas se prendre la tête, c'est de mettre une étagère. Tu vois, ma prise de TIDOM, elle loge tout juste. La TIDOM, j'essaye de la loger là, mais en fait, je me rends compte que c'est pas une très bonne idée. Parce que de mémoire, mon commercial chez Deltador, il m'avait dit que c'était pas bien de les coller contre les box. Pas trop avoir le wifi qui leur rayonne en pleine tronche, donc tu vois, je la cale juste à côté du petit transformateur du switch POE. Je la branche, alors elle, la TIDOM, pour le coup, je la branche directement dans la box. Elle n'a pas besoin de POE, elle est alimentée avec une prise classique. Hein. Donc la TIDOM, c'est un hub qui sert à récupérer tous les équipements domotiques, une passerelle quoi, en gros. Donc elle est nécessaire pour la partie volet motorisation automatisée. Elle a juste besoin d'un cordon RJ45 classique branché sur la box pour récupérer simplement la data internet quoi. En fait, faut juste l'alimenter en internet et l'alimenter électriquement via la prise qu'il y a sous la box. Tu vois là, j'enroule un petit peu mes cordons tranquillement. J'ai récupéré, en fait j'ai gardé tous les petits alors je sais pas trop comment ça s'appelle là, mais tous les petites torsades de trucs, on dirait des machins alimentaires là, si tu veux, là qui livrent dans les box. Là j'avais tout gardé justement pour regrouper mes câbles tranquillement, faire un truc assez propre. Alors, on peut toujours faire mieux hein, dans ce genre de choses, mais bon, il y a certains VDI, quand tu vois comment ça finit, moi celui-là je trouve que il est pas dégueu. C'est juste que voilà, s'il faut sortir un des éléments, bah ça va être un peu casse-tête quoi, mais de toute façon, comme je disais tout à l'heure, c'est pas le plus pratique, mais c'est la façon la plus esthétique que j'avais trouvé de ranger tout ça. Et sinon, ouais, clairement, le plus simple, hein, c'est de se faire une belle petite étagère à côté du tableau. Tu mets tout bien, tu crées ton étagère en fonction de ce que tu as besoin de poser sur ton étagère au niveau de ton informatique là, et puis comme ça, ça respire un peu mieux dedans. Parce que comme je disais, hein, malgré que ce soit prévu pour, que ce soit assez grand, c'est un modèle 18 modules, c'est quand même, ça reste quand même bien chargé. Et puis tu vois, juste pour mettre le petit cordon d'alim de la box,
là, on commence ces galères parce que bah, j'ai pas trop d'espace quoi. Une fois qu'il y a tous les éléments, bah il y a tous les éléments et tu peux pas trop faire autrement. Non, câble RJ qui me fait. Bon, ça y est, on a branché la box malgré qu'il y avait quand même un cordon qui m'avait embêté pour brancher ça, que j'ai dû remonter en haut. Enfin bref, là je mets mon petit cordon vert qui était fourni avec le switch PoE. Comme ça j'alimente donc en data, en internet, le switch PoE. Ça c'est le tout premier cordon, hein, celui qui va donner internet au switch. Là je remonte mon disjoncteur qui fait que les prises de box. Comme ça y est, là on a alimenté tout l'ensemble. Le switch PoE, la box et la TDOM. Maintenant, direction les prises, les fameuses prises Wi-Fi. Tu vois, en attendant, j'avais mis des obturateurs parce que ça y est, les clients vivent dans la maison là, à cette période-là. Je sais pas pourquoi on avait laissé des wagos dans le pot, ces petits cadeaux surprise. Mon câble, j'avais laissé un peu de mou. Je viens récupérer un noyau, donc encore une fois, un noyau S1 pour les prises Wi-Fi, mais celui-là, c'est pas tout à fait le même parce qu'il a pas la petite encoche pour se clipser sur le VDI, donc il est un petit peu moins cher. Mais en soi, tant que tu prends un noyau RJ45 S1, peu importe lequel, ça va fonctionner. Là, t'as vu dans la prise, il y avait un tout petit cordon mal RJ45 ultra important, celui-là faut pas le perdre parce que vous allez voir au niveau de l'espace après qu'on a dans la prise, ça va être très important. Maintenant voici la prise, donc c'est une prise audace, mais tu vois bien qu'on peut pas la jumeler, elle est un peu plus épaisse, elle a un corps un peu plus profond que les autres parce que forcément il y a un petit peu de technologie embarquée dedans, hein. C'est un peu comme une mini box internet. Je commence à la déclipser de son cadre, tu vas voir que le cadre d'ailleurs va un tout petit peu m'embêter là dans ce cas précis parce que mon pot il a été scellé là, le pot du dessous il est scellé au map. Je sais plus pour quelle raison d'ailleurs on avait dû le déplacer, il y avait eu un bins, mais bref il avait été complètement scellé, donc je peux pas le retirer maintenant que tout est peint. Et on a la possibilité que de mettre sur les côtés, donc bah moi mes vis de fixation d'appareillage se retrouvent en haut et en bas sur ce pot là et pas sur les côtés. Mais clairement pour du RJ là, je vais pas faire le difficile maintenant, je vais pas tout casser, je vais pas risquer d'éclater la peinture. Bah mon RJ se retrouvera sur le côté, hein. C'est pas comme si j'avais une fiche de broche de terre de prise classique qui était sur le côté où là ça ferait vraiment guignol. Mais là le RJ, je veux dire, faut le savoir pour le voir quoi, tu le vois de loin, tu captes pas en fait qu'elle est de côté la prise. En plus c'est une prise qui est, on l'a mise ici, elle va pas être là pour brancher du filaire, elle est vraiment là justement parce que celle-là elle est dans le salon, à un endroit un peu stratégique, on l'a mis en plein milieu du salon pour qu'elle puisse répéter le wifi un peu partout et en même temps sur la terrasse extérieure qui va servir de terrasse extérieure, voilà, où les gens pourront naviguer sur le wifi tranquillement quand ils seront en train de boire l'apéro. Bah oui, parce que c'est important de regarder les conneries sur YouTube quand t'es en train de boire l'apéro, faut jamais oublier ça. Donc tu vois, je la mets de côté, donc là rien de bien méchant, le cadre très facile à poser, là bah même délire, hein, tu rebranches le noyau exactement comme on a fait dans la baie de brassage, hein, que ce soit une prise ou dans la baie de brassage ou dans le VDI, c'est tout à fait pareil, hein, noyau, c'est toujours les 8 petits fils à mettre dans les bons emplacements en faisant très attention et il n'y a rien de mystérieux. Allez, maintenant que le noyau est branché, donc tu vois la prise, elle se présente comme ça, et là ton tout petit cordon, tu vois pourquoi lui il faut pas le perdre, parce qu'il est vraiment très petit, très fin, donc il loge parfaitement dans les pots. Le pot qu'il y a derrière, faut que je précise quand même, c'est un pot profondeur 50 mm. Sur toutes ces prises-là, j'avais mis des 50 mm pour avoir un petit peu plus d'espace, pour pas que le noyau soit tordu, etc. Là, je vais repousser un peu l'ensemble. Et tu vois le fait que mon câble il soit à l'aise, quoi, que je puisse le retirer, le repousser facilement, ça m'aide pour déjà le brancher, puis au moment de repousser la prise, c'est plutôt cool, quoi. Ça se fait facilement et t'es pas obligé de tordre le RJ. Parce que les RJ45, c'est vraiment des câbles, je vous déconseille de les plier complètement. Là, je commence à prendre une note sur mon téléphone pour les configurations qui vont venir après. En fait, je prends en photo simplement les données qu'il y a sur la prise. Alors, peu importe, vous pouvez essayer de récupérer les mots de passe. Ils ont tous changé, hein, parce qu'on va voir après qu'on est obligé de tous les changer pour programmer tout ça. Donc, ils n'ont plus de valeur, ces mots de passe. Je pars pour la deuxième, donc là, qui est un autre endroit stratégique, dans une des chambres, un endroit où elle n'aurait pas servi en filaire. Tu vois, elle n'existe pas en noir, ces prises. On a mis une plaque noire, hein, c'est vu avec les clients. Hein, je les ai déjà expliqué. Les cadres qu'on fixe de ces prises n'existe qu'en blanc, ça c'est bon à savoir. Là t'as vu, c'est la chambre parentale, donc si tu reconnais bien le chantier, hein, t'as vu, ça a quand même vachement changé, hein. Il y a du carrelage partout dans la salle de bain, mais vraiment partout de chez partout. Là ça y est, on a posé la prise, la petite photo elle est faite dans la note, on va aller dans la dépendance et bah on va pas passer par là parce que c'est un peu le bordel.
Donc la dépendance, hein, pareil, elle n'est pas tout à fait finie, il reste les peintures à faire, enfin il y avait eu des problèmes de moisissure, etc. Là, dans la dépendance, j'en ai mis une aussi, donc elle retourne directement au tableau, donc lui, ce câble c'est du double blindé, hein. Il est blindé, le câble est blindé avec une feuille d'alu, hein, et chaque paire est blindé aussi avec une feuille d'alu. Parce que lui, il passe sur une plus grande longueur à côté d'un autre câble courant fort, donc j'avais besoin d'un truc qui résiste un peu mieux aux perturbations, parce que vous avez vu que les autres câbles, hein, c'est du câble classique, ça marche très très bien, hein. Pas besoin de se ruiner pour ça. Alors je vois déjà les informaticiens péter un plomb en commentaire qui vont me dire que si, le moindre micron de réseau, oui, si t'es informaticien, oui, il faudra faire gaffe, ultra gaffe à quel câble tu utilises, nanana. Mais ici, bon, voilà, ils ont une visio de temps en temps, et sinon c'est internet comme internet chez tout le monde, quoi. Maintenant que toutes mes prises sont branchées, tu vois, ce que je fais, bah j'envoie directement, là je commence à faire mon brassage. Donc c'est exactement ça qu'on appelle du brassage, c'est mettre le cordon mal entre le port qui alimente jusqu'à la prise qui nous intéresse. Là je me rends compte d'un truc, j'ai pas de retour d'état sur les voyants. En fait tu vas voir quand je vais brancher le deuxième, je le branche et tu vas voir il y a un petit voyant vert qui va s'allumer et qui va commencer à clignoter légèrement. Ça on en voit plein dans les baies de brassage ou sur les ordinateurs. Alors à quoi ça correspond exactement je sais plus, je sais qu'il y a quelques règles, mais en gros quand ça commence à clignoter vert, c'est que ça veut dire que ça envoie du signal, enfin il y a du débit qui est tiré à l'autre bout. Donc ça des fois ça peut être un bon moyen de repérer des RJ sur des trucs qui sont déjà branchés. Quand t'as pas d'appareil, tu vois, tu branches l'ordi, tu le débranches, tu vois si ça clignote en vert, enfin ça peut t'aider un petit peu, ça peut t'aiguiller. Donc allez, troisième prise, tu vois, je branche pareil, le voyant lui il va arriver tranquillou, mais tu vois le premier voyant du premier cordon que j'ai branché il s'allume toujours pas. Alors je regarde un peu parce qu'il y a quand même pas mal de soleil à cet endroit là, donc des fois ça peut éblouir, mais on voit quand même clairement que ça s'allume pas. Et tu vas voir pourquoi ça s'allume pas, c'est vraiment un truc tout con et je l'ai dit en début de vidéo en plus. Donc je branche le quatrième câble, tu vois, donc là c'est mes quatre prises qui répètent le wifi, là les wifi band 5, Schneider, Audas, je sais pas quoi, je vous remettrai la ref de toute façon dans la description, je vous remettrai toutes ces choses là. Donc là j'ai trois prises sur quatre qui détectent du signal, quoi. En fait là ça veut dire que sur mes quatre prises j'en ai trois qui tirent bien du signal, qui voilà. Donc tu vois, je me fais un peu d'ombre pour être sûr, mais ben non, la première elle clignote pas. Donc je fais à chacune de mes prises, tu vois, petit voyant vert qui clignote. Alors c'est subtil, hein, ça clignote en transparence, un peu comme les voyants Audas, là tu vois pareil, ça clignote aussi. Donc ça veut dire qu'elles sont alimentées, elles sont prêtes à être configurées, mais déjà on verra qu'elles fonctionnent déjà. Là actuellement elles envoient déjà du wifi. Prise parentale, prise de la chambre parentale, pas de voyant, que dalle. Donc c'est elle qui tire pas de wifi, parce que bon j'avais mon repère sur le mur, mais le mieux c'est quand même d'aller voir, ça va plus vite. On est sûr à 100%. Et comme je disais en début de vidéo, tu vois, truc tout con, j'ai peut-être coupé un poil trop long mes petits bouts de fil de RJ45. Donc là je les reprends tous un par un, je refais tout le truc, tu vois, bien tranquillement, parce que c'est le noyau le plus facile à visiter dans un premier temps, parce que si c'est celui du VDI, laisse tomber, il faut enlever la box, enfin le switch PoE, etc. J'ai tout refait. Et là, bingo, c'est bon, ça se met à clignoter. Alors, comme je vous dis, c'est vraiment subtil, on le voit pas beaucoup, hein, mais ça se remet à clignoter. Donc, voilà, petit coup de chance, enfin, petit coup de chance dans ma malchance. C'était juste, voilà, deux, trois petits, un petit bout de machin qui devait toucher la carcasse ou un ciseau qui a mal entaillé l'isolant du câble. Enfin, vraiment, voilà, tu vois, le RJ, comme je te disais, tu peux tout faire bien de chaque côté, prendre ton temps, et pourtant, il y a un petit couac qui va se passer. Je reviens à mon switch, et là, tu vois, mes quatre voyants sont au vert. Maintenant, tu vois, j'ai ouvert mon wifi sur mon téléphone, je fais toutes les programmations sur téléphone, c'est plus simple sur PC clairement, mais bah je vais pas me trimballer un PC dans le camion, trop chiant. Et là on voit toutes les prises Audas, tu vois, comme si j'avais plein de box internet dans la maison, tu vois, ou comme des fois quand t'es dans un immeuble tu vois tous tes voisins. Bah là c'est le même délire, tu vois, on va pouvoir voir toutes les prises. Donc ça c'est la notice qui te permet, alors t'as une notice simplifiée, une notice complexifiée, on va appeler ça comme ça. Moi je commence à connaître un peu le truc, là c'est ma troisième installation à l'heure actuelle sur cette vidéo, j'en ai déjà fait une quatrième là depuis avant que je fasse ce montage là. Donc maintenant je vais de plus en plus vite parce que c'est un petit peu casse-tête. Là je viens de me connecter à la première prise, donc je fais un petit test, tu vois, je vais sur YouTube parce que du flux vidéo c'est ce qui tire le plus, je regarde, ok ça charge la vidéo pour l'instant, c'est bon, je suis connecté à une prise là, plus à une box. Ensuite je vais aller sur https://login.net et c'est de là qu'on va chercher. Donc le truc qui est apparu vite fait, c'est les adresses IP des prises. Je vais pas te les laisser forcément parce que les adresses IP on va éviter, même si tu n'auras pas l'adresse IP de la box de toute façon. Et là tu as une clé d'administration, en gros ça c'est t'as deux codes, hein. Sur la prise tu as la clé d'administration pour rentrer à l'intérieur de la prise. Donc là je suis en train de rentrer à l'intérieur de la prise comme on rentrerait à l'intérieur d'un routeur internet, comme si tu rentrais dans ta box. Donc faut savoir que c'est des mots de passe ultra relous et moi j'ai une petite technique maintenant, je les écris directement dans ma note où je prends les photos, comme ça je peux les copier coller
coller à souhait dès que je veux. Tu vois, je les recopie et puis après tu fais copier-coller, tu mets tout dans ton presse-papier. Enfin bref, là on est rentré dans le cœur de la prise. Donc je vais essayer d'expliquer pas de façon pas trop chiante, mais de toute façon cette étape est chiante, surtout les premières fois. Là je suis dans les gestions paramètres réseau sans fil de la prise. Je vire le nom du SSID, audace, je mets Wi-Fi maison. Voilà, j'appelle le réseau Wi-Fi maison. Là je suis en train de changer le nom en fait du réseau qu'on va voir quand on cherche des box Wi-Fi. Et je vais créer un nouveau mot de passe à ce Wi-Fi maison. Donc pareil, là je vire le mot de passe hein, existant qu'il y avait sur la prise pour se connecter. Forcément quand je valide, ça me sort du truc. Et une fois que je suis sorti, j'ai juste à me reconnecter. Tu vois, le Wi-Fi maison maintenant apparaît et la prise audace a disparu. Alors là, faut savoir que je suis en train de régler le réseau 2,4 GHz. Elles ont aussi la possibilité d'être configurées en 5 GHz. T'as deux réseaux, comme sur une box, hein. T'as le 2,4 et le 5 GHz. La différence entre les deux, je sais pas trop. Je crois que le 5, c'est un peu plus rapide, mais il a moins de portée. Mais t'as aussi pas mal d'appareils qui sont pas encore compatibles au 5 GHz. Mais on va y venir à tout compatible 5 GHz. Bref, ça, c'est pas mon domaine. Et donc, tu vois, là, je repars sur la deuxième prise. Donc là, pareil, je sors de la connexion Wi-Fi. Je me reconnecte sur une autre des prises. Et là, je remets le mot de passe Wi-Fi. Je refais un petit test avec YouTube. Tu vois, j'avance un peu pour être sûr. Tu vois, ça débite bien. Hein, t'as vu, dès que j'avance sur YouTube, là, bam, ça me met la connexion tout de suite. Ça me fait défiler une vidéo. Je reprends le mot de passe de la box. Tu vois, là, je l'écris dans ma note de mon téléphone. Comme ça, je la chope. Je fais copier, tu vois, comme ça, parce qu'il faut faire que je le remette deux fois. Je reviens à cet endroit-là. Tu vois, pourquoi sur téléphone, c'est un petit peu chiant parce qu'il faut zoomer, dézoomer, machin. Mais par contre, bon, après, on pianote assez vite. Tu vois, sur mon bloc-notes, j'ai les trucs qui apparaissent. Bim, j'appuie, je clique connexion. Je mets l'ancien mot de passe que je suis obligé, tu vois, de recoller encore une fois. Donc, c'est pour ça que ça va assez vite quand tu fais du copier-coller. Le nom du SSID, je remets le même. Tu vois, je mets Wi-Fi maison. Alors, tout à l'heure, j'avais mis en minuscule, mais il y a eu un cut au montage. J'avais remis en majuscule Wi-Fi maison. Je remets exactement le même nom et pareil, le même mot de passe. Tu vois, le même mot de passe que tout à l'heure. Donc, ça, ce que tu viens de voir, c'est l'ancien mot de passe que tu vois pas, c'est le nouveau. Et voilà. Et là, on rappuie sur enregistrer. Et ça y est. Et là, comme ça, je vais faire mes 4 prises exactement pareil. Même nom SSID, même mot de passe. Et comme ça, après, on verra apparaître plus qu'un seul Wi-Fi maison. C'est tout. On verra plus toutes les prises audace, parce que j'aurais modifié le nom du réseau. On verra qu'un seul Wi-Fi maison. Et toutes les prises seront devenues un seul et même réseau. Et ça va pas sauter. Donc là, j'ai un peu filmé comme un goré. Mais en gros, je suis vraiment désolé pour ce passage. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était une vidéo YouTube et je marche dans toute la maison jusqu'à dehors, etc. Et en fait, le réseau Wi-Fi reste le même. Tu vois, des fois, on voit juste une barre baisser parce que je suis dans un point un peu creux, on va dire. Mais si tu veux, le réseau, ça reste le même. Il ne saute pas d'un réseau à l'autre. Ça reste le même qui est à fond partout. Et en fait, je vais aller jusque dans le jardin parce que vu qu'il y a la dépendance qui est au fond du jardin, bah en fait, dans tout le jardin, partout, partout, je capte absolument parfaitement le Wi-Fi dans toute la baraque avec un seul et même réseau grâce à ces prises. Là. Et vu que ce sont, si on peut appeler ça entre guillemets des répéteurs, si tu veux, ils sont quand même alimentés en câble RJ45. Donc le réseau arrive à 100% dedans et renvoie du Wi-Fi comme si c'était en fait vraiment comme si vous aviez mis 4 box orange chez vous et que ces 4 box étaient maillées entre elles comme un peu du Wi-Fi mesh. Mais voilà, ces box sont alimentées directement en câble quoi. Donc ça vous fait vraiment une puissance de réseau qui est folle. Alors il n'y a pas de Wi-Fi 6 dessus, mais vu le nombre de points d'accès qu'il y a dans la maison, c'est pas si utile que ça. Alors ça, vous pouvez en débattre en commentaire, moi clairement pour avoir installé ça 4-5 fois chez des gens, ça fonctionne du feu de dieu. Et en plus tu peux connecter des équipements directement sur les prises, c'est à dire que si tu as une caméra sans fil à connecter en wifi et que ta box est trop loin, bah tu te raccordes sur le point le plus proche, sur une des prises les plus proches, et ça pareil avec tous les appareils. Et ça c'est trop trop cool, surtout avec le nombre d'appareils connectés qu'il y a dans les maisons maintenant. Donc j'ai mis une vidéo de Micode, j'espère que je vais pas me faire striker pour ça parce que je regarde pas mal sa chaîne. Et là tu vois que je suis dans le jardin et que j'ai toujours le wifi à fond hein. Donc je suis vraiment désolé de la façon dont j'ai filmé ça, c'est vraiment pas top top. Je pensais qu'on voyait mieux le téléphone, je sais pas ce que j'ai foutu. Mais regarde, voilà, je suis à côté de la piscine là, donc tu t'imagines avec un transat. Donc comme je disais, tu t'imagines sur un transat avec le wifi tranquille au bord de l'eau là, de la piscine, en train de faire tes petites affaires sur internet sans avoir de problème de connexion. C'est quand même vachement bien. Et pour les maisons un peu en longueur, ça permet aussi d'utiliser les prises RJ45 qu'on met dans les chambres qui sont entre guillemets obligatoires et qui servent jamais. Tu vois, les prises coûtent en fonction de là où tu les trouves entre 80, 100 balles, un peu plus, tu vois, enfin on va dire entre 80 et 120, ça coûte relativement moins cher, enfin ou quasiment le même prix qu'un répéteur, mais un répéteur qui va choper du signal Wi-Fi, parce que t'as des trucs qui marchent très bien, hein, où tu as juste à les poser, t'as pas à t'embêter autant, mais pour autant, ce genre de système vont être posés avec un boîtier à côté de la box, qui prend une certaine taille, qu'il va falloir en mettre un autre pas très loin, au moins le premier, qui va récupérer un signal qui du coup va arriver peut-être à 90 ou 80%, donc lui il va répéter un signal qui est fort qu'à 80%, ce
ce truc-là, il va falloir le poser sur une étagère qui va prendre une certaine place, il va falloir quand même le brancher à une prise. Tu vois, niveau esthétique et pratique, c'est beaucoup, beaucoup moins pratique que d'encastrer des prises comme on encastrerait une prise quasiment classique, à part que tu peux pas les jumeler en plaque double et plaque triple. Donc ça a quand même pas mal d'avantages, faut juste voilà, avoir un peu de patience entre la partie branchement de noyau, mais ça, quoi qu'il arrive, tu vas brancher un VDI ou un coffret de com au bout de tes câbles, et surtout la partie programmation, parce que là, vous m'avez vu faire, alors c'est, voilà, je savais pas trop, c'est un peu compliqué à filmer cette partie-là, parce que faut que je fasse gaffe, d'ailleurs, faut encore que je regarde là, l'heure qu'il est où je parle, que je vire les adresses IP qu'on voit encore, tout ça, enfin bref. Mais voilà, c'était pas la partie la plus fun et la plus facile à monter et tourner, mais cette partie-là, bon, tu te creuses un peu la tête, et je pense sur un PC, ça doit être vachement plus confortable quand même que sur un téléphone, encore une fois sur le chantier, tu te ramènes pas ton PC. Et pour ceux qui sont qui ont des données peut-être un peu plus sensibles, il y a tout un tas de paramètres à l'intérieur que moi j'ai pas forcément voilà, regardé ou quoi, mais tu peux sécuriser vachement plus de trucs, tu peux faire en sorte qu'une seule prise ait un réseau dédié que pour le travail, tu vois, pour le télétravail par exemple, ce qui fait qu'il y a moins de personnes qui tirent sur cette prise là, sur cette partie du débit. Enfin, t'as une possibilité de plein de choses que moi j'ai pas exploré parce que j'en ai pas besoin, on m'a pas demandé, j'ai pas été chercher plus que ça. Et aussi les prises, quand je disais qu'elles fonctionnaient déjà à peine branchées au switch PoE, t'as bien vu toute la liste de réseaux Wi-Fi, tu peux quand même t'y connecter une par une, mais ça veut dire que tu as le mot de passe barbare qu'on a vu là, qui est horrible là, avec des caractères dans tous les sens, il va falloir que tu le rentres à chaque prise qui t'intéresse. Et là pour le coup, si t'as rentré toutes les prises dans ton téléphone, ça va sauter d'un Wi-Fi à l'autre, mais pas très intelligemment, tu vois, ça va attendre je sais pas combien de barres pour passer à l'autre, enfin ça va pas être agréable. Donc vaut mieux se casser la tête à faire un peu la création du réseau par le biais du petit site internet là, Schneider SE Logging.net, et après t'es plus embêté quoi, vraiment. Donc ça, moi maintenant je le vends quasiment à toutes les maisons neuves, hein, dès que ça dépasse 100 mètres carrés, facile à vendre en plus. Enfin, tu dis voilà, vous avez déjà vos prises RJ qui sont chiffrées, le VDI c'est quasiment le même prix de toute façon maintenant chez Schneider, je crois que t'as que ces VDI là avec le switch PoE et tout, donc t'as plus trop le choix. Alors, en vrai, tu peux en prendre des moins chers chez d'autres marques peut-être. Donc voilà, t'as déjà le VDI, t'as déjà les câbles, au lieu de mettre des prises qui servent à rien, tu peux juste anticiper de faire ton trou un petit peu plus loin et puis mettre ta prise. Donc c'est pour ça que c'est vachement bien. En gros, c'est juste que tu vends des prises un peu plus chères RJ45 à certains points de la maison, tu rajoutes un petit peu de main d'œuvre pour la partie programmation, tout ça, quelques noyaux là, les noyaux S1 qui vont dans les prises RJ45 parce qu'ils sont pas livrés avec la prise, hein. Les petits noyaux que tu mets à l'intérieur des prises murales qui répètent le Wi-Fi, bon à savoir aussi. Et puis voilà, donc tous ceux qui ont des câbles téléphoniques dans des anciennes maisons, je vois que je vais peut-être avoir des trucs comme ça en commentaire, je pense pas que sur des câbles téléphoniques ça puisse bien fonctionner, ça doit peut-être pouvoir fonctionner si vous mettez des noyaux sur les câbles téléphoniques, mais bon, méfiance quoi, ça doit pas, c'est pas fabriqué pour en tout cas. Au niveau de la vidéo, j'espère que c'était pas trop bizarre d'avoir des trucs tournés il y a 6-8 mois avec des trucs tournés il y a 2-3 mois, c'était un peu le bazar pour tout récupérer, pour que j'arrive à me mettre d'accord moi-même avec ce que j'allais mettre, ce que j'ai coupé, qu'est-ce que je parle dans la première partie, et j'en ai viré des trucs qui servaient à rien, enfin bref. J'espère que voilà, de toute façon tous ceux qui sont encore là à me regarder parler, c'est les vrais les disjonctés qui restent jusqu'au bout. Et puis je vous vois en commentaire, hein, quand vous commentez des trucs que je dis là maintenant à ce stade des vidéos, donc franchement merci, c'est trop cool. Et aussi bah, je tiens à préciser que n'importe quel coffret de com, n'importe quel VDI bête de brassage, c'est le même principe que ce qu'on vient de voir là. C'est pas parce que lui distribue du Wi-Fi avec un switch PoE, c'est un simple coffret de com avec des simples prises RJ45 pour faire du filaire tout court, c'est la même chose, sauf que t'as pas le switch PoE dedans. En fait tu fais tout ce qu'on a vu là, tu vires le switch PoE, c'est la même. Genre après, tu fais ton petit brassage, donc t'as vu le brassage, c'est pas compliqué, c'est prendre le cordon de la prise qui t'intéresse, et puis tu vas chercher une alimentation internet. À la place d'un switch PoE, vu que t'as que 4 ports derrière une box, tu peux mettre un switch normal. Donc ça coûte beaucoup moins cher, un switch normal, c'est une sorte de multiprise de RJ45. En fait, c'est tout. Tu viens alimenter, comme on a vu sur le switch PoE, un in, et après t'as plusieurs sorties, ça peut être 4, 3, 2, 6, 8... Puis tu peux mettre plusieurs switches, tu peux mettre 2 switches, 3 switches. À chaque fois que tu sors de la box, tu viens alimenter un switch et puis hop, tu peux comme ça aller alimenter des énormes baies de brassage. Alors après, il faut un petit peu de connaissances en informatique entre quel est le bon câble, quel est le plus de débit, quel est le bon switch, quel est le plus de débit, enfin tu vois, il y a plein de choses. Donc tout ça, c'est un peu plus côté informatique. C'est vrai que les électriciens nous en demandent beaucoup. Faut savoir câbler, faut savoir installer les prises, faut savoir comment ça fonctionne un réseau, faut savoir U égale RI.
Si on a marre, on n'est pas, voilà, tu sais, on a fait qu'un CAP, nous, hein, on n'est pas des ingénieurs non plus. Enfin voilà, t'as compris le principe, il y a toujours tout un tas de trucs à apprendre. Moi, je sais pas tout, tu vois, je te dis ce que je sais pas. Et clairement, voilà, les histoires de mégabits, de trucs, c'est déjà, en général, quand t'achètes le basique, déjà, ça marche très bien. Et après, si t'as une demande spécifique, c'est là où faut commencer à te creuser la tête. Pour du basique de la maison, t'achètes, voilà, tu vois, avec tes fournisseurs, tu regardes, faut se renseigner un peu, mais voilà, sur tout ce qui est mégabit, informatique, tout ça, je suis pas hyper calé pour vraiment vous dire, ah voilà, c'est ce truc-là qu'il faut prendre, mais c'est comme ça. Bon, en tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un gros merci, gros pour le soutien de la chaîne si vous êtes encore là, même si vous êtes plus là, tout ça, enfin bref, c'est une vidéo assez lourde à digérer. En attendant, soyez malins, soyez disjonctés, salut!